Hyundai Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Donc content parce que victoire, donc par rapport au match aller où on avait perdu et on n'avait pas trop existé, sur ce match-là on a montré qu'on a existé en tout cas sur une deuxième mi-temps très très physique et intense. On a mal commencé le match, on était derrière à la mi-temps, on a su réagir en deuxième mi-temps, on a joué dur, on a sorti un peu les coups, tout ça. Ça a fait la différence, mais on aurait dû faire ça dès le début, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Petit regret bien sûr par rapport à la première mi-temps. Forcément, où on fait beaucoup d'erreurs, même en deuxième mi-temps, on laisse 2-3 petits points à chaque fois. Et au final, il nous manque les 2-3 petits points donc du goal average. Match positif, on a gagné. Maintenant, on n'a pas su prendre le goal average. On devait gagner de 9 points, on n'a gagné que de 7 points, c'est vraiment dommage. Bon, la mentalité, forcément, elle était déjà par rapport à l'intensité des entraînements, où forcément on essaye de monter un petit peu le ton. Et puis après, on avait ciblé un petit peu le jeu intérieur, forcément, par rapport au match aller. Puis on avait ciblé un ou deux joueurs où on avait été en difficulté, notamment Donati, qui nous a mis quelques gros tirs aussi pour revenir. Hein, donc on ne va pas leur enlever ça non plus. Hein. Très fier quand même de cette équipe-là par rapport à l'évolution. C'était votre reportage Savoie News avec Hyundai Jeanlin Automobile.